Bonjour à tous. On commence par ce qui retient notre attention aujourd'hui avec Nokia qui restructure son organisation afin d'accélérer l'exécution de la stratégie du groupe. Nokia va scinder en deux son activité de réseau mobile. La première, Mobile Networks, sera dédiée aux produits et aux solutions. La deuxième, Global Service, sera consacrée aux services. Par ailleurs, le poste de directeur de l'innovation et de la stratégie sera remanié. Et suite à cette réorganisation, Nokia annonce plusieurs nominations, dont celle de Marc Rouan à la tête de Mobile Networks et celle d'Igor Leprince à la direction des Global Services. Les analystes de l'EPSA sont haussiers sur la valeur et visent des cibles à 5,20€ et 5,40€. On poursuit avec la deuxième valeur d'actualité, avec Vinci qui signe un nouveau record après un nouveau contrat de concession au Brésil. Vinci Aéroports, filiale du groupe de BTP et de concession, s'est vu attribuer la concession de l'aéroport Deputado Luiz Eduardo, situé à Salvador au Brésil, et ce pour une durée de 30 ans. Avec plus de 7 millions de passagers accueillis en 2016, l'aéroport en question est le 9e aéroport brésilien. Selon le groupe, ce succès marque une nouvelle étape dans la stratégie de développement de Vinci Concessions dans cette région du monde. Les analystes de l'EPSA ont une opinion positive sur la valeur et visent des cibles à 72€ vent et 75€. Place à la stratégie à adopter à présent avec Ferrari. Le titre est sorti à la hausse d'une figure de consolidation en rectangle. Les moyennes mobiles à 20 et 50 séances ascendantes soutiennent les cours, tandis que le RSI a rebondi sur une zone de support. La formation d'une nouvelle jambe de hausse est ainsi attendue en direction des 69€ et des 71€. Pour appliquer cette stratégie, on peut se porter à l'achat sur le Varencol E18 5T émis par UniCredit, de prix d'exercice à 63€ et de date de maturité située au 13 septembre 2017. Aujourd'hui, coup de projecteur sur l'indice Eurostoxx 50. L'indice est sorti à la hausse d'une phase de consolidation en place depuis le début de l'année. Du côté des indicateurs techniques, les moyennes mobiles à 20 et 50 séances ont effectué un croisement haussier, tandis que le RSI est soutenu par une oblique ascendante. Ainsi, tant que les 3318 points ne sont pas enfoncés, une poursuite de la phase de progression est attendue en direction des 3470 points et des 3515 points. À cet effet, on peut se porter sur l'achat du certificat leverage Eurostoxx 50 EUL 5T émis par UniCredit, de maturité au 26 octobre 2018 et d'effet de levier 5. Ainsi, une variation de 1% de l'Eurostoxx 50 se traduira par une variation haussière ou baissière de 5% du produit. Pour Trading Central, c'est Stéphanie Texé en direct depuis la Bourse de New York. À très bientôt.